Bonjour. On va créer une macro Excel qui insère une ligne sur deux sur un tableau comme celui-ci, donc où on a les 60 communes de l'agglomération de Lyon. Bon, là, j'ai mis en tête nom code INSEE. Si je fais contrôle page down, donc troisième 60 communes, enfin 59 communes en comptant la ligne d'en tête. Donc on va créer une, on va démarrer en créant une macro. Une macro qu'on va enregistrer sous le nom INSEE une ligne sur deux. OK. Donc, j'arrête l'enregistrement. Voilà, puis je la reprends tout de suite, puis on va l'écrire. Je prends le pas à pas détaillé. Donc, mon nom de macro est ici. Donc là, j'ai effacé ça. Donc, je démarre. Je définis une variable x puisqu'on va démarrer à la ligne 3. J'affiche le classeur ici. Donc là, vous savez que pour insérer sur Excel, il faut insérer en dessous. Là, on l'atteste ici. Voilà. Ici. Bon, OK. Donc la session, on l'a supprimée. Donc là, l'index va commencer à la ligne 3. Je supprime ça. Je reprends Visual Basic. Donc on va définir donc une variable intégrale, dim, on va l'appeler x. On va prendre une x majuscule, pardon. Minuscule. Intégrale. Donc on va la débarrer, on la définit. X égale 3. Donc la boucle, on va faire une boucle jusqu'à 130. Bon, j'ai mis 130 pour suite à essai, parce que bon, ça incrémente à chaque fois, mais il faut mettre un gros nombre au début, puis après, on va mettre for x égale 3. Là, j'ai mis bon, 130, ça va, on verra le résultat. Et puis, surtout, step 2, step 2, tout simplement par incrément de 2, puisque c'est une ligne sur 2. Donc là, on se positionne au début, donc c'est là, c'est range. Et là, on ouvre la parenthèse, on met les références de la cellule, donc il va falloir qu'on soit sur la cellule qui correspond à A3, donc de X, c'est la référence de la première ligne, virgule 1, ferme la parenthèse, séparateur virgule, attendez, déjà, x virgule ici, donc on fait cels, donc le deuxième référent. Et puis ce sera x,1, pareil, x,1, parenthèse, parenthèse, et select pour la sélectionner. Donc c'est notre début, notre case de départ, notre cellule de départ. Donc après, on va la mettre active, active cell select. Select, et puis après, rose, donc ligne. On va sélectionner la ligne active. Pardon. Donc là, on va active cell point row. La parenthèse. Pardon, active ici. On active c'est le point row, point select. À la ligne. Et puis là, l'insert, donc sélection. Ça, on peut la trouver en manuel, en créant manuel. Excusez-moi, j'ai inversé la case.
.sr espace shift. L. Il y a l'X. Et puis, on finit notre boucle, ne pas oublier le next. Bon, là, on peut supprimer cette ligne. Bon, je ferme le V, j'enregistre. Je ferme le VBA. Je réouvre pour tester la macro. Le pas, je regarde le pas à pas. Bon, il n'y a pas d'erreur, bon, on peut la tester. Je referme. Là, elle démarre de n'importe où, donc macro exécuté. Voilà, 129. Donc voilà, on est descendu à peine plus bas que Villeurbanne. Donc le travail est fait, une ligne sur deux. Bonne soirée.